Excusez-moi, je suis à la bourre. On pourrait parler du comportement dynamique. C'est une négation, le sens. Des hybridations. Non, mais moi, je veux spatialiser les réseaux. Mais il faut anticiper. Le projet d'abord. Je peux y aller? Je peux y aller? Ah, mais que fait l'architecte? L'imagination, mais l'anticipation. Et les jardins. On n'a pas le temps. Et le concept énergie. Aya Life Designer, c'est nous. C'est nous les Life Designers. Nous construisons aussi nos vies à Aya. Nous construisons des abris de vie. Nous savons même construire des bâtiments vivants. Moi, je capte tous les éléments extérieurs. Je les injecte au bâtiment pour les rendre vivants. Kamate, kamate, kaura, kaura, kamate, kamate, kaura, kaura, tenete, tanata, buru, buru, nana, itikema, awe, kupan, awe, kupan, et kupan, et vititera. Moi, je brûle, je chauffe, je stocke l'énergie ou je la transforme. Je suis un peu magicien, un peu alchimiste. Ça vous défrise, eh ben. Je suis le métabolisme. Et puis, c'est pas pour me la raconter, mais je suis agent double. Vous voyez, aussi. J'oxygène, j'aère, j'assure la respiration. Et je peux vous dire que ça ventile. Je suis le courant qui est véhiculé par le système nerveux sous forme d'impulsion. Et je permets la diffusion fluide des informations depuis la source centrale qui est le cerveau. Sans électricité, pas de nervosité. Nous sommes assistantes et chefs de projet. Nous nous accordons au métronome. Ainsi, chaque temps est rythmé par le magnétophone, dictaphone, microphone, téléphone et visiophone. Tels de véritables hormones, nous diffusons les messages qui coordonnent les acteurs bâtisseur du Pentagone. Donnez-moi vos systèmes, je les mets dans la boîte, je spatialise en un tour de main et hop, j'organise l'anatomie générale autour du cœur et dans le paysage.